Zami internaute, m'ap salue nou avèk an pil plezir e mwen vreman kontan pou m rejoen nou sou chèn Diversité 07 pou m prezante nou rubrik Ephéméride. Ephéméride yo se yon ansanm d'evenman ki te marke histwa peyi d'Haïti yon jou tankou jodi a. Jodi a se 31 janvye, m'ap prezante nou 3 gro evenman ki te marke l'histwa. N'ap komanse pa 31 janvye 1908, epok sa se te prezident Nor Alexi ki tap dirije. Jou sa, prezident Nor Alexi te organize yon ekzekusyon somer de tout opozan li yo ki tal pran refuj nan konsula de France ki te nan Saint-Marc. Yon lot dat ki te marke l'histoire tankou jodi a, se te 31 janvye 1971, yon referandom te organize nan peyi a pou te nomen Jean-Claude Duvalier kom moun ki tapal vini prezident apre papal. Sou bilten vot yo, moun ki tal vote yo te gen yon sel posibilite. On seul option pour yo te voter oui seulement. Nan moment où t'as fait des comptes bulletin vote yo, pas gen aucune voix qui te compte nomination Jean-Claude Duvalier comme moun qui pouvin prendre pouvoir après papal. 31 janvier 1991, date sa marqué création diocèse for liberté qui c'est une circonscription territoriale l'Église catholique en Haïti. Ki tab li koli nan depatman Nord-Est. Li fè pati de provins eklesiastik Kap-Ayisyen. Diocèse sa li te pren nesans le 31 janvye 1991 pou te divize diocèse Kap-Ayisyen e diocèse Inch. Monseigneur Hubert Constant te premier évêque ki te dirije diocèse sa, il était dirigé diocèse de Fort-Liberté de 1991 à 2003. Nous avons rejoint de 2004 à 2011 évêque Chili Langlois dans tête diocèse là. De 2012 à 2013, nous avons rejoint Max Leroy Mésidor qui t'a dirigé diocèse là. Et de 2014 à nos jours, c'est Monseigneur Kenel Alphonse qui a dirigé diocèse Fort-Liberté. C'était un plaisir pour me présenter nous événement qui t'a marqué l'histoire yon 31 janvier tant kou jodi a. Si vous poko fèl déjà, moi invité ou abonner à channel là, like vidéo a, partager et puis cliquer sur petite cloche là pour capable recevoir nouvelle vidéo qui gen pour venir.